I really hope you enjoyed this video, because this windmill, this iconic scene from Montmartre, is actually on my street. I live on the Rue Le Pic. The artist is a real gentleman. He's a professional. He knows what he's doing. He's a good teacher. He listens. He talks. Sorry, French viewers, for my appalling French. This is basically in French with English subtitles. But it has to be. We're in France. And so, it gives it authenticity. I hope you enjoy it. It's a video that came up from the ashes. It's kind of Phoenix video, because the hard disk crashed, we managed to get it back, and it's there, it's alive, and it's a piece of history. So, wow, you know, it's always great to get something you thought was lost back again. Tu joues avec Fouzin? Hein? Tu penses? Non. Des fois avec la peinture direct? Direct, oui, mais là je vais faire une petite mise en scène, tu vois. D'accord. La composition est bien, ça tient bien. Hein. Bah, il faut, hein. C'est une question de proportion, tu comprends? Comme il y a une plongée, là, il y a intérêt à ce que. Est-ce que ce soit équilibré, même si on triche un peu, tu vois? Voilà, ouais, c'est voilà. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit très bien. Voilà. Votre toile, vous avez préparé vous-même, c'était... Il y a déjà des matières là, on voit. Bah oui, parce que c'est très intéressant. J'aime bien. Il y a un peu de texture déjà, c'est pas plat. Hein. Bah, bien sûr. C'était acrylique que vous avez commencé. Acrylique, et maintenant c'est l'huile. Juste la question, Robert. La façon de mettre la palette. Je vois que vous avez un grand espace pour le blanc. Vous avez les couleurs. Ben moi personnellement, tu vois, je mets le blanc à cet endroit pour rabattre, pour venir mélanger mes couleurs. Mais moi je peins aussi en mélangeant sur la toile, tu vois. Et bon, c'est pas une palette traditionnelle, si tu veux. Non.
j'ai des couleurs là, c'est parce que... Mais je n'utilise pas tout. On peut faire un tableau avec 5 couleurs. Mais bien sûr, mais tu as raison de le dire, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est assez dilué, ça va sécher assez rapidement. Ben c'est pour ça que je fais ça. Ça sèche assez rapidement et puis qu'après, je n'ai plus que des masses. Après, tu peux attaquer avec... Avec de la matière. Voilà. Ben, je garde quelques proportions de personnages, puis j'ai envie d'animer ça. Oui, ils sont déjà bien placés. Même la voiture, elle est là, ça prend un rôle. Même si c'est pas tout à fait ça, nous on a décidé que c'était ça. Donc. Ça t'arrive de finir l'étoile dans une séance? Ah oui. La lumière ici, elle est intéressante. Il est magnifique cet arbre. Ah oui, c'est ça qui rend, si tu veux, le sujet intéressant. Tu n'as pas un petit regret que tu n'étais pas là à la belle époque où Montmartre était vraiment un petit village? C'est un grand regret. C'est pas le moment où on va vivre à cette époque-là. Même si c'était pas drôle, même si c'était difficile, c'est pas grave. Tu vois, j'aurais préféré. Thank you.
y a une émotion de Montmartre, et c'est ça qu'il faut faire ressentir. Oui. Il y a émotion, oui, c'est vrai. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe, c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. L'atmosphère, il y a toujours la magie. Là, je vais commencer à placer quelques lumières. Ouais, voilà. Chaudes. Jamais couteau de peinture. Si, c'est dans le temps. Ça sert pour les fenêtres, les choses comme ça. Voilà. Mais avant tout, j'improvise. Tu vois, là maintenant, je vais improviser.